La pêche au leurre de surface, c'est celle qui génère pour moi le plus d'émotions, avec aussi les pêches à vue. C'est-à-dire que toutes les pêches dans l'eau claire, où tu peux voir les poissons arriver, ça en génère aussi énormément. Mais après, c'est vrai que la pêche au leurre de surface, avec les poissons qui viennent, qui ratent et tout ça, c'est celle qui est capable de procurer le plus d'adrénaline, entre guillemets, et qui permet de trier les beaux poissons sur les actions. La pêche de surface, elle a quand même un truc par rapport aux autres. C'est qu'elle est, c'est la seule qui est vraiment visuelle. Donc c'est une pêche qui est spectaculaire. Et c'est une pêche surtout où on peut adapter l'animation du leurre au comportement du poisson. Quand on a un poisson suiveur, on va casser le rythme, on va accélérer. Si on voit qu'il y a de la compétition entre les poissons, effectivement, on va mouliner plus vite, plus vite, plus vite pour vraiment déclencher des choses. A l'inverse, si on a un poisson un peu timide, qui regarde et tout, on peut faire des grands stops, des petites animations, des voilà. On peut vraiment s'adapter à ce qu'on voit. Et ça, ça fait une grosse différence par rapport aux pêches classiques sous l'eau. En surface, on voit vraiment ce qui se passe, enfin, on voit une bonne partie de ce qui se passe. Et c'est en ça qu'elle est magique, en fait. C'est la pêche vraiment la plus émotionnelle parce qu'en fait c'est la plus visuelle tout simplement. Il faut faire confiance à ses sens et puis des fois il faut un petit peu les occulter pour se réfréner. Et l'avantage de cette pêche au topwater, c'est que vraiment c'est une pêche d'atmosphère. On pêche tôt le matin, on pêche tard le soir, on a une lumière qui est rasante, on a une lumière qui est superbe. Les attaques, on les a plein cadre. C'est tellement visuel que c'est une pêche totale. Tu vois tout, tu vois ton leurre, tu vois l'humeur du poisson. Quand tu pêches sous l'eau, tu crois faire mais tu fais pas, tu sais pas. Quand tu es au leurre de surface, ce que tu vois, c'est la réalité. C'est-à-dire que tu peux affiner ta pêche sans commune mesure avec les autres techniques. Tu peux lui faire une pause. Il est flottant, il s'arrête, il ne coule pas, il s'arrête. Tu l'accélères, tu fais des larges embardées, tu le reprends. Une frog, tu lui fais faire 2-3 zigzags sur elle, un buzz bait, tu l'accélères, tu le ralentis, tu le fais passer légèrement sous l'eau, tu le remontes. Tu fais tout ce que tu veux de manière très très fine. Et ça, c'est très important parce que ça va te permettre de comprendre ce que veut le poisson. Et effectivement, pour quelqu'un qui débute ou pour quelqu'un qui veut tout simplement faire confiance à ses sens, mais quand tu sais exactement ce que tu fais à ton leurre, tu envoies tout de suite le résultat. Le poisson attaque, suit ou ne prend pas. Clairement, en topwater, l'émotion, elle rentre beaucoup en compte. Et quand j'emmenais des gens pêcher qui n'avaient jamais pêché de leur vie en topwater, souvent, le fait qu'ils comprennent pas trop ce qui se passe, en fait, bah, c'était plus, quelque part, un avantage pour eux parce qu'ils n'avaient pas tendance à ferrer, à enlever le leurre. Ils n'avaient pas ce côté émotionnel puisqu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Hein, donc, ils se faisaient surprendre, chlouk, ça descendait et le fil se tendait. Quoi. Mais clairement, le côté émotionnel, il joue beaucoup, beaucoup. Même moi, il y a des jours où je suis stressé ou si je tourne la tête à gauche, j'entends chlouf, paf, je lève la canne et puis je lui ai enlevé le leurre de la bouche. Quoi. Donc, je pense que ça, c'est vraiment le facteur en topwater. C'est le facteur très important. Quoi. Limite, tu vois, c'est une genre de mini-méditation, un contrôle de toi-même, tu vois, où faut que tu arrives à redescendre et à contrôler tes émotions. Et ça, c'est hyper intéressant dans le topwater. Pour moi, la pêche au leurre de surface, c'est celle qui crée le plus d'émotions, de très loin, de par les violences des attaques, de par le côté visuel, tout simplement, quoi. De voir les poissons monter, alors selon les secteurs, plusieurs fois derrière ton leurre, des fois, en une fois, ils te le happent, voilà. Et puis les combats, hein, on peut dire ce qu'on veut, hein, le combat d'un poisson pris au leurre dur, et notamment au leurre de surface, n'est pas le même qu'un poisson pris plein palais au leurre souple, quoi. Enfin, ça n'a rien à voir. Voir le poisson attaquer le leurre de surface, c'est peu importe la taille, qu'il soit petit, gros, moyen, le plaisir il est intense à chaque fois. Et puis on a les yeux qui se focalisent sur l'heure, sur l'action, comme si elle se ralentissait. Donc pour moi, c'est parfait.
La pêche de surface, c'est une des rares pêches où un loupé, une attaque, peut en fait donner presque autant de satisfaction qu'un poisson qu'on met à l'épuisette. Parce que rien que le poisson qui vient derrière, le remous, le splash, même s'il loupe, rien que de voir ça, déjà, c'est un régal. Et d'ailleurs, on le voit quand on est à la pêche, on repart souvent. Waouh, t'as vu le remous, ou alors le brochet qui a sauté par-dessus, ou le gros bar qui est venu derrière. On reparle souvent de ça. Des fois, même plus que le poisson qu'on a pris et qu'on a mis à l'épuisette. Et ça, il n'y a pas beaucoup de pêche comme ça. Parce que quand on fait un loupé sous l'eau, poum, t'as une touche, tac, ça décroche. Bon, bah voilà, on ne sait pas ce que c'est. Ça peut être gros, petit. On a toujours tendance à dire que c'est plus gros que ce l'était. Mais par contre, en surface, voilà, si on a un vrai bon gros bouillon ou un poisson qui loupe, on le voit. Et ça, c'est. Bah, rien que ça, déjà, on a 50% du bonheur qui est là. Et puis les 50%, le reste, c'est quand on le pique, quand on le combat et qu'on le met à l'épuisette. Mais ouais, je pense que c'est une des rares pêches où même loupé, bah, c'est sympa. On a tendance à cantonner la pêche de surface juste à popper, stick bait, buzz bait, etc. Mais en fait, dans cette pêche-là, il y a énormément de variabilité. Il y a la couleur, la taille, le son, la vitesse. Donc c'est beaucoup plus technique que ça ne paraît. C'est pas une pêche qui est plus technique que les autres, pas du tout. Mais c'est pas une pêche qui est moins, ça c'est sûr. C'est une pêche qui est ludique et estivale, clairement, parce que on met le short, on va les pieds dans l'eau. Mais c'est aussi une pêche qui permet de prendre des très beaux poissons là où c'est peu utilisé. Parce que justement, dans la tête des gens, c'est des petits leurres, c'est l'été. Et au contraire, au printemps, dans les bordures, il y a moyen de faire des superbes pêches de broc. Il y a moyen sur les basses, il y a moyen sur les perches de trier en mettant des gros leurres de surface. Donc c'est pas que ça. C'est vraiment une pêche pour prendre des beaux poissons dans des milieux où il y a de la pression de pêche. Et qui peut procurer, quand tous les astres sont alignés, vraiment des émotions et des beaux spécimens. Souvent, le leurre de surface n'est pas pris au sérieux. C'est-à-dire que c'est une pêche ludique, donc c'est pour s'amuser. Ou alors, c'est une pêche de dépit, on se dit, bon ben, je mets un leurre de surface, comme ça, je ne le perdrai pas au fond. Sur un des fishing clubs, j'avais dit à Gaël que la grenouille, la frog, c'était le leurre ultime, parce que ça ne s'accrochait pas, parce que ça faisait des gros poissons, parce qu'un débutant peut y pêcher, et parce que ça fait des décharges émotionnelles.
Et il y a très peu, il n'y a pas de catégorie de leurre qui aujourd'hui donne ça. C'est vrai qu'un débutant, il pourrait se dire « je lance un popper et je le fais popper » ou « je lance un stickbait ». Mais typiquement, si on parle des stickbaits, c'est difficile de faire nager un stickbait. C'est pas si simple. Avoir un bon walk the dog, moi je le vois parce que j'emmène souvent des débutants à bord. Le fait d'avoir la main droite qui est dissociée de la main gauche et que les deux fassent quelque chose de différent, bien souvent on met quelques heures avant d'avoir une bonne nage. Un popper, c'est pareil, hein, il y a des façons de le ramener. Donc c'est pas, voilà, c'est pas une pêche qui est simple et je pense que des fois on l'a... On ramène ça à juste le fait de popper ou d'animer un leurre, mais je me répète, mais il y a tellement de variations, tellement de façons, et d'ailleurs on le voit des fois quand on est sur le bateau, on est 3-4 pêcheurs, il y en a un qui prend plus que l'autre, c'est pas obligatoirement la taille, c'est peut-être qu'il a la bonne fréquence ou qu'il fait les poses au bon moment, donc il y a beaucoup plus de technicité que ce qu'on peut croire. La pêche au leurre de surface, ça paraît hyper simple de l'extérieur, mais dès qu'on commence à creuser un peu et qu'on veut prendre justement sur un créneau un peu plus large que les soirs d'été, on se rend vite compte que la sonorité du leurre, le type d'animation, est-ce qu'on fait des pauses, pas d'animation, et ce côté ferrage différé qui est vraiment hyper difficile pour certains à acquérir là, plus ou moins en fonction des espèces, plus ou moins en fonction des milieux, c'est vraiment une technique à part entière et c'est vraiment une technique où on doit dédier une boîte avec une certaine réflexion dans le choix des leurres et dans le type de leurre. Le topwater, ce n'est pas qu'une technique ludique, c'est une pêche dans la pêche. C'est une discipline dans la discipline, c'est un monde dans le monde de la pêche. Ouais. La pêche de surface, contrairement aux autres pêches, elle se passe vraiment en une seule dimension. C'est-à-dire que on pêche quelque chose de tout plat, tout lisse. Et puis d'un seul coup, on a notre leurre, lui, il va évoluer, il va faire sa petite vague et tout. Et d'un seul coup, ça va arriver d'en dessous, parfois sans prévenir, et ça va être violent. Et ce côté-là, c'est vraiment celui-là qui va prendre les tripes, qui va faire que le débutant il va avoir tendance à se crisper et à enlever le leurre. Que le pêcheur confirmé, justement, il va savoir ce qu'il va falloir faire derrière. Et il y a ce côté visuel, c'est un peu comme les pêches au flotteur en fait. C'est-à-dire que moi, j'arrive à concevoir celui qui pêche au flotteur et qui voit son flotteur qui est là, qui fait rien, puis d'un coup, qui s'enfonce là. Là, on fait la même, mais avec un flotteur qu'on ramène. Et on le voit s'enfoncer et on voit la tresse qui part là. Et ce moment-là, il est juste magique. C'est-à-dire que le moment où on le voit partir là, on va armer le ferrage et on va voir le contact. Et en fonction de la taille du bouillon, en fonction du type, on aura déjà une idée du client qu'on a au bout. Et ce côté-là, il n'y a pas d'autre pêche qui le procure.
y a quand même une poussée d'adrénaline particulière quand l'attaque vient casser le rythme de la surface. Moi, je pêche quand même plus au stick qu'au popper, par exemple. Donc, on a quand même quelque chose de plutôt régulier, une nage en walking the dog. Et l'œil s'habitue en fait à cette nage saccadée mais régulière. Et c'est souvent une explosion. La meilleure touche en surface, c'est celle qu'on n'attend pas en fait. On a acheté une heure, d'un seul coup, bam, la surface elle éclate, on se retrouve pendu. C'est plus il y a le calme avant la tempête, meilleur c'est. La vague. Salut. Non, non, c'est un broc. Okay. La pêche du broc au leurre de surface, c'est sans contexte celle où il y a le plus d'adrénaline, parce que c'est celui qui peut délivrer les attaques les plus violentes, les plus folles. Et donc ce côté-là, il n'a pas de prix, surtout quand on peut pêcher les pieds dans l'eau, là, qui nous attaquent dans 50 cm d'eau. Ça, je suis un adepte de la pêche au broc de la première heure, et ça, je ne m'en lasserai pas. Un leurre de surface, c'est s'il est gros, c'est un leurre à barre. S'il est moyen, c'est un leurre à black bass. S'il est petit, c'est un leurre à perche. On a juste oublié le brochet là-dedans. Le brochet, il va prendre des petits leurres ou des grands leurres. Il va prendre des stick bait à barre et il va prendre des stick bait à black bass. C'est pas le problème. Il va se nourrir d'une taille de poisson. Il va cibler ça.
Si vous prenez des stick bait de 14-15 cm pour le brochet, c'est super. Il y a des fois, il faut descendre en 9 cm, ça va très bien aussi. C'est un chasseur qui chasse en surface, donc ça, il ne faut pas l'oublier. C'est juste un problème de marketing, en fait, parce qu'effectivement, les brochets montent très très bien en leur surface, ils ont leurs yeux en dessus, ils voient très bien ce qui se passe, ils attaquent. Le brochet, c'est probablement le poisson qui fait les attaques les plus rageuses, les plus énervées sur un leurre surface. Il le rate, il le reprend, il tape dedans. Enfin, c'est un poisson qui réagit énormément. Le seul reproche qu'on pourrait faire au topwater sur le brochet, c'est que souvent on prend beaucoup de petits. Après, sur les brocs, ce qui se passe régulièrement, notamment s'ils sont dans le paddo, c'est qu'on voit la vague qui arrive. Donc là, systématiquement, quand on voit la vague qui arrive, il faut accélérer. Et on va voir la vague qui s'amplifie. Et régulièrement, juste avant d'attaquer, on va la voir qui baisse un petit peu. Et c'est là où moi, j'aime bien ralentir la cadence. S'ils ratent, il y a plusieurs solutions. C'est-à-dire que s'ils ont vraiment le feu, si on a une soirée comme on peut avoir les fins de printemps où ça a chauffé, on sait qu'ils sont énervés, il faut continuer surtout. Et à contrario, si on a des poissons qui sont un peu plus délicats, s'ils le ratent quand c'est possible, il faut faire une grande pause, vraiment attendre. Ça vaut le coup d'attendre franchement une demi-minute là, et après juste le faire tressauter. Et souvent là, il va le prendre, là il ne sera pas raté. On associe beaucoup le topwater à des lumières changeantes, le crépuscule, que ce soit le matin ou tard le soir, une couverture nuageuse également, ça peut être très très bon en pleine journée. Il faut s'imaginer une chose, c'est que le poisson, il n'a pas de paupières, il n'est pas comme nous. C'est-à-dire que dès qu'il va regarder en l'air, voilà, nous on ferme les paupières et on regarde quand même et on fait ça, et puis on n'est pas très à l'aise. Un poisson, lui, il n'a pas de paupières. Hein. Donc c'est-à-dire que quand le soleil est haut et que l'eau est claire, c'est terminé pour lui. Il ne chasse plus en surface, c'est fini. Sauf cas particulier, bien entendu, mais ça n'arrive quasiment jamais. On a des ambiances avec la pêche en surface. On perçoit en fait tous ces spots et on s'imagine les tenues de poissons. Et quand ça se vérifie, c'est magique. C'est le moment où tu es plus en contact avec la nature et tu ressens ce qui se passe. Voilà, tu es dedans. Tu ne peux pas ne pas être dedans parce que tu as le côté visuel, tu as le côté sonore, tu as tout. Tous les éléments de la nature, en fait, sont pour toi, quoi. Donc c'est à toi de les interpréter et à toi de t'éclater dedans. Enfin, moi, partir avec des boîtes de leur surface, c'est l'éclate, quoi. C'est génial. Qu'on est le métronome on commence à réveiller tout le monde. C'est nous qui lançons la chanson et puis commence un poisson qui gobe à gauche, à droite. Et puis là, ça commence à exploser derrière notre leurre et la magie opère dans des couleurs souvent qui sont magnifiques. Le ciel en feu, une eau souvent très calme, translucide. Donc tout ça, c'est... Il n'y a pas vraiment que la pêche, il y a tout ce qu'il y a autour. On a l'impression d'être un peu maître des lieux.
et on attend l'aspiration dans un silence absolu. Donc il y a tout le décor qui nous envoûte quoi, quand on pêche au lard de surface. La pêche de surface, c'est vraiment une technique à part entière. C'est celle qui peut détrôner toutes les autres sur certains moments. Le seul truc, c'est qu'il faut oser et il faut la maîtriser. La pêche en surface, c'est un peu comme... C'est un peu comme faire l'amour, la lumière allumée. C'est-à-dire que quand la lumière elle est éteinte, c'est sympa. Et quand on allume, ça l'est encore plus, c'est pareil. Avoir une touche sous l'eau, c'est super. Mais en surface, quand on en profite, c'est vachement mieux.